RMC, l'immanquable grande gueule. Tesson, et j'aime beaucoup cette phrase-là, où il dit « La France est un paradis peuplé de gens qui pensent vivre en enfer ». Et c'est un peu vrai, parce que moi je voyage énormément, je passe 4 mois par an à l'étranger, je vais dans des pays où on dit c'est des paradis, comme Bali, etc. Mais vous voyez là-bas, la vie est très dure. Et si vous avez un accident à Bali, la première chose que vous allez à l'hôpital, on vous demande votre carte bleue. On ne vous soigne pas si vous n'avez pas d'argent. On est quand même dans un pays où la sécurité sociale, elle est là pour tous. Il y a des soutiens qui existent à tous les niveaux, le chômage, l'indemnité de chômage, il y a plein de pays où ça n'existe pas. En fait, on est un peuple un peu malheureux collectivement. Oui, collectivement les gens sont plutôt globalement heureux individuellement, à 80%, et ils se disent presque pareil, à 82%, malheureux collectivement. Je pense que c'est lié à un certain nombre de choses. C'est notre esprit critique. Les Français ont un esprit critique particulièrement développé. Ça, c'est le cartésianisme, c'est-à-dire qu'on voit toujours ce qui ne va pas. C'est le côté de Voltaire aussi. On a un double héritage. Descartes, l'esprit critique. Voltaire, c'est faut se méfier du bonheur. C'est-à-dire qu'il faut mieux regarder le tragique. Et donc... on ne veut pas avoir l'air naïf et du coup, on insiste toujours sur les choses négatives. Vous allez aux États-Unis, ils ne voient que les choses positives. C'est un peu fatigant. Vous arrivez là-bas, great, amazing, tout va super bien. Alors vous voyez que la plupart des gens ne vont pas très bien. Puis vous arrivez en France, tout va mal. Et on voit qu'en fait, non, tout ne va pas mal. Donc je pense que ça fait partie de notre inconscient collectif. On a cette espèce de négativisme. On souligne toujours négatif parce que si on dit que tout va bien, on passe pour un imbécile. L'immanquable grande gueule.